Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Harry Potter dans la deuxième année pour faire le niveau suivant en compagnie de Legba. Coucou Legba. Ok, c'est Legba qui vous parle depuis Diana Sisters. Ce jeu est infaisable, si tout va bien. Carmen qui continue à enquêter. Hein? Qui voit un truc bizarre. Un bout de tuyau qui dit... Ah, il y a le méchant serpent derrière elle. Donc elle l'a regardé dans les miroirs, je vous expliquerai pourquoi après. Et le miroir a été brisé. Donc en fait, le principe c'est que c'est quand on le voit de face qu'il peut faire du mal aux gens. Et donc c'est pour ça qu'elle se baladait avec un miroir. Voilà. Pour que ce soit indirect. Donc comme ça, elle n'est pas morte, comme les autres, mais elle est seulement dans le coma. Personne n'est mort. Oui, mais ils sont censés être morts. Hein. C'est juste parce qu'ils arrivent à les sauver. Hein. Mais normalement, c'est ça qui voit la mort. Mais pour Hermione, c'est moins grave. C'est moins grave parce qu'elle avait compris. Non, non, pour tout le monde, c'était comme ça. Tout le monde a eu de la chance, en fait, si tu te rappelles bien. Oui, c'est parce que Miss Tain avait regardé dans le truc. Dans l'eau. Mais si on regarde directement, on est censé mourir. Il y en a un qui l'a vu à travers son appareil photo, l'autre qui l'a vu à travers un fantôme. C'est le petit... Le fantôme, je sais pas si on l'a croisé en pas. Bah, dans le livre, il y en a un truc qui a oui, été oui, mais parce je sais, regardé... je crois pas qu'on y soit arrivé encore. Là, il y a un fantôme. On a vu Colin avec son appareil photo. On a vu Miss Tain dans l'eau, mais alors le fantôme, je crois pas qu'on l'ait encore. Je sais pas, on va suivre. Comment elle s'appelle la fantôme qui pleure tout le temps? Mimi Géniard. Mimi Géniard. On va aller voir Mimi Géniard. Ren qui fait du bruit. Ah, boum! Voilà, donc elle est toujours en train de pleurer en fait. Alors du coup, elle a mis un peu de bordel, j'ai l'impression. Il va falloir qu'on reprenne Wingardium Leviosa pour réussir à débloquer les trucs qu'on veut débloquer. Allez hop, c'est parti. Donc on va essayer de tout débloquer avant qu'elle ait tout détruit là, parce qu'elle fait n'importe quoi. Hop, hop, c'est parti. Tu vas m'obéir, petite rouquine. Qu'est-ce que tu voilà. fais à tes sœurs là? Je lui demande de faire un dash dans la bonne direction. Les pauvres. Ça ah donc va, j'ai bien pas réussi à débloquer le truc tout à l'heure. C'était caché. Ah, il m'a blessé, la garce. Il m'a blessé la garce. Elle m'a blessé la garce. La garce fantomatique. Tiens, reprends-toi ça sur la tête. Elle est où là? Elle s'est planquée où? Tu veux vraiment le savoir? Ouais. Ah, pas la blague, pas la blague, pas la blague. Laquelle tu as? Aïe! Elle est fière d'elle en plus, hein! Oh non, je vais pas y arriver! Elle m'a tué! Elle t'a tué? Ouais. Et bah, elle est beaucoup plus hardcore que dans le bouquin! Oui, mais elle me jette des trucs sur elle! Elle est assez violente! Allez, prends-toi ça! Aïe! J'ai pas réussi à l'attraper, j'ai réussi à me protéger. Allez, reprends-toi ça sur la tête! Allez, vas-y, lance-moi ton prochain canard. Non, c'est pas un canard, c'est un canard. Allez! Allez, Mimi! On se calme! Comment je la chope, elle? Comment? Ah! Allez! Allez, prends-toi ça! Non mais. Ah! I am Murloc! I am Murloc! Allez!
Prends ça et cogne-la avec. Tout le monde, tu dis ça, je prends un projectile. Ça y est, je lui ai fait du mal. Tout le monde, tu dis ça, pardon. Je prends un projectile, en fait. Elle a jeté le bouquin à la tête de Ron. Non mais le timing, il était excellent. Quand j'entends ça, je prends un projectile, tu fais... Ok. Pardon. Oh, c'est le bouquin qu'il a donné, le méchant, là, que le méchant avait donné à Ginny. Si vous vous souvenez bien. Méchant. Donc là, on retourne dans le passé, et Dumbledore est en train de gronder un garçon. Dumbledore. Et il montre une fille blessée comme actuellement. Et il pense que c'est sa faute. Et il y a une araignée qui s'enfuit. Alors, ah, je vais le contrôler dans le passé, c'est épique. Tom, j'ai du zard. Non, je contrôle Harry là dans le passé pour l'instant. Mais chut, on ne sait pas encore qui est ce garçon. C'est Tom Jedusor, mais chut. Il s'appelle Tom Jedusor et pour le reste, vous le découvrirez, Yona Sato. Oui. No spoil. Quel spoil, ma chérie. Alors ça, je... Ah oui. Qui ça peut être? No spoil ou tu seras puni dans ton jeu. Bah, je viendrai de tweet là. Sérieusement. Ouais. Parce que le premier niveau du deuxième monde, il est impalpable. Ah ouais? Ouais. Moi qui étais bien tenté par ce jeu à cause de la petite blonde, je sais. Non, ce jeu, je suis plus trop tenté. Très bon, mais il est tellement difficile. Ouais, justement, moi qui suis pas doué en plateforme, du coup. Ça m'inquiète un petit peu. Ah. Les oreilles. Alors du coup, on va mettre ce premier truc hein, dedans déjà avant d'oublier qu'il est là. On va le prendre et on va le mettre dans le chaudron. Allez, donc ça fait et d'un truc. Maintenant, on va monter là. Ah mais je peux plus monter là. Ah, faut que je tape là-dessus, d'accord, ok. Ah, c'est trop fort. Oui. Il y a un truc qui empêche les headcuts dans ce jeu, n'empêche assez souvent. C'est quoi? C'est la musique. Ah oui? N'y pense pas, mais dans la musique, c'est souvent un truc qui t'empêche de headcut. Quand tu meurs et que t'entends une musique que t'aimes bien, en général, tu restes. Et la musique de ce jeu est géniale. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. On a tendance à faire ça. Pourquoi t'es tombé? Ah, parce que t'avais besoin d'aller là ou quoi? Je peux plus monter là. Bouge, boude. Alors, eux, je ne peux pas leur faire de mal à ces lutins. Mais comment diable puis-je aller là-haut? Je ne peux pas. Donc, il me suit, il m'aide, lui. D'accord. Ah, lâche-moi la mandragore. Ah, mais si je peux changer. Mais. Je ne dirai rien. Sinon, tu vas me gronder. Pourquoi? Parce que j'allais dire qu'elle voulait. Ma chérie. Mais je ne l'ai pas dit, donc ça ne compte pas. Chérie, à la fin de cette vidéo, tu seras puni. Donc ça ne compte pas, tu vois, comme je. À la fin de cette vidéo, tu seras puni. J'ai réussi mon truc. Puni. Le câlin. Puni. Ah, je ne peux que là. Et là, puni. Comment? Ah, là, 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 là. Soit. Mais en fait, il faudrait que j'arrive à en choper un. Pourrais-je en choper un seul? Please. Please, et le mettre de l'autre côté. Ou bien, pourquoi pas, je pourrais pas. Ce n'est pas fait pour. Sois mignon! Non, il y a un mur invisible qui m'empêche de passer alors. On va essayer ça là. Ça ne marche pas. Ah, je peux contrôler ce monsieur. Je peux donc contrôler ce charmant monsieur. Toi, tu m'enquiquines. Ah, mais il n'y a pas de.
placard là, d'accord. Ah. Toi, est-ce que tu peux aller là? Ah, mais oui, tu peux. Tu vas être tout mignon. Et ne pas réussir à ouvrir ce placard? Pourquoi? C'est pas être mignon, ça. Oui, mais je... je ne comprends pas trop son souci. Ah! Harry? Nickel. Maintenant, tu rentres, tu prends tes écouteurs. Prends tes caches-oreilles, plutôt. Tu vas chercher la bébête, là. Tes écouteurs. Oui. Ma chérie. Et ah, je crois que j'ai compris un truc. Souffre. Souffre. Endoloris. Ah oui, j'ai pu faire exploser ça. Donc là, je vais la mettre là-dedans. Ben, Endoloris, ça marche très bien avec les mandragores quand on te les met à côté de la tête. Oh, t'es pas assez fort, mon petit Harry. Ok, ma chérie, avant que je quitte le jeu, voici les 4 modes de difficulté. Dès que t'auras fini ton truc. Je t'écoute. Alors facile, les niveaux moins dangereux et offrant plus de points de sauvegarde. Le boss de fin des niveaux ne sont pas verrouillés. Normal. Le mode normal déverrouille les niveaux de nouveau. Terminer un niveau, le déverrouille pour d'autres modes. Et après, il y a le mode hardcore. Ce mode n'a pas de points de contrôle, gagne des étoiles dans les niveaux boss pour les déverrouiller. Et super hardcore. Si tu meurs une seule fois, c'est game over. Oh mon dieu. Charmant, charmant, dis-moi. En gros, hardcore, pas de sauvegarde, pas de checkpoint quoi, c'est-à-dire si tu meurs à 2 secondes avant la fin d'un niveau, tu repars depuis le début. Et mode super hardcore, ben c'est pareil, sauf que c'est pour tout le jeu. Ça donne trop confiance. Non mais... Non mais j'imagine trop le speedrunner qui se lance un défi, qui se dit je vais jouer en super hardcore, et qui meurt à 2 secondes de la fin, alors qu'il était en train de battre le record du monde. Je l'imagine très très bien aussi, bizarrement. En train de pleurer toutes les larmes de son corps. Et j'ai beaucoup de mal pour lui. Donc à quoi un speedrun de Mister MV sur ce jeu, je ne sais pas. Eh ben en fait, tu pourrais le faire. Un speedrun? Je suis pas un speedrunner. Tu peux essayer? Moi, je pourrais essayer de finir le jeu en super hardcore, mais... bah alors là, ça serait rien d'une course contre la montre. Alors, je te garantis qu'en super hardcore, moi j'avance plateforme par plateforme. Hein. Vraiment. Bah, je suis sûr que si tu décidais de speedrunner un Sonic, tu t'en sortirais très bien. Oui, mais j'ai joué toute mon enfance, là c'est différent. Ouais, mais bon, tu peux essayer. Ouais. Non. Ouais. Pas très tenté, mais un jour peut-être. Pas très tenté. Ouais, j'aime pas trop le principe des speedruns. Oh. Moi, je me bats. Tu te bats pour Gryffondor. Je me bats à mort avec ce truc. Quelle est cette chose? Qui m'enquiquine très sérieusement. Quelle est cette chose? En fait, j'aimerais bien pouvoir passer un truc où il faut sauter en l'air et il y a un truc qui pourrait me permettre de passer, mais j'arrive pas à le mettre suffisamment à gauche. Ah, attends, je vais peut-être. Ah non, je peux pas, donc c'est fait pour, mais alors comment je passe moi là? Très sincèrement, comment je passe ce truc? Je ne sais pas. Je suis désespérée. Je ma chérie, pas à passer le trou. Ma chérie. Oui. Tu n'es pas désespéré, t'as trouvé une solution de traverser le trou. Oui, mais pour l'instant, la solution n'est pas encore là. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire qu'on s'en fout, n'est-ce pas? On va se dire qu'on s'en fout, voilà. Fuck la police, l'univers, l'armée, la marine et tout le reste. Voilà, on va fabriquer notre potion sans se poser plus de questions que ça. Parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, ça va me rendre puissant, je suppose. Voilà, comme ça je vais pouvoir tirer la chaîne. Et ça se trouve, là je pourrais passer par en haut. J'ai cru que t'allais tirer la chaîne. Ouais. Tirer quoi? Ah bah non! Oh mon dieu, j'en étais sûre que c'était une connerie dans le genre. De quoi? Bah là j'ai débloqué ce qui m'empêchait de passer. À savoir? Bah des Lego pour les mettre en haut pour passer au-dessus. Oh non, ils sont sérieux! Là, mais report là! Report!
Alors, tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Des gaufres. Bah, je crois bien, on va le mettre comme ça, hein. Peut-être que ça tiendra. Voilà. C'était tout. C'était tout, il fallait juste ne pas croire que c'était en bonus. C'était pas en bonus, mais je croyais que c'était en bonus. Que ça permettait de faire du 100%, mais en fait, non. En fait, c'était pas du bonus, c'était bel et bien indispensable à la progression. C'était ça. Exactement, ah bah voilà. Ah bah effectivement. Ah là, par contre, j'ai Gryffondor, j'ai chopé Gryffondor. Est-ce que tu es toujours puissant, petit Harry? Gryffondor. Ah ouais, d'accord, ça va être une question de vitesse. Ouais. Oh my god. Vas-y, bois. Que les fruits de Snix soient avec toi, ma chérie. Merci. Et maintenant, bouge tes fesses, Harry. Plus vite que ça. Bouge tes fesses plus vite que ça, petit Potter. Allez. Nous sommes super rapides. Allez. Tu m'appuies le troisième, merci. Allez, 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 tu bouges, tu bouges, tu bouges. Allez, tu sautes, allez, tu sautes, allez, tu sautes, allez, tu sautes, allez, tu tires. Nickel! J'ai libéré ce petit cochon. Le cochonou. Le cochonou. Et du coup, eh ben, on est parti. Hein. On avance dans le passé. Ça, on débloque. Ah. Ah, je crois qu'on a vu son nom. Ou c'est dans ma tête. Je pense que ça doit être dans ma tête. Mais ma chérie, tout est dans ta tête. Tu crois qu'il y a un jeu vidéo. Tu crois qu'il y a un jeu vidéo Lego Harry Potter, mais il n'y a pas de jeu vidéo Lego Harry Potter. Non. Ouais, la Zélie, tu es fan. Non, c'est pas vrai. Je suis un grand sorcier. Regarde. Gregal. Alors, on va prendre les chandelles. Voilà. Tac, tac, tac. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça me donne des sous. Ça fait des gaufres. Mais je sais pas faire des gaufres. Bah, apprends à en faire. Mais je sais pour pas. Un grand pour un grand sorcier, c'est une grosse lacune. Tu m'apprendras? Ah non, je suis qu'un moldu, moi. Mais tu es le plus fort de tous les moldus, ça devrait compter, non? Bah non, je veux pas faire des gaufres magiquement. J'adore! C'est génial! J'ai fait de la musique et du coup, il y a un squelette qui est venu danser. C'est épique. Alors, on va monter de l'autre côté, il s'est mis à danser, je sais pas ce qu'il danse. Mais c'est trop mignon. C'est génial. J'adore. Mais je sais pas comment on peut l'aider. On peut l'aider ou pas? Ah oui! Allez, donne-moi ça, c'est bien. Donc là, ça va lever l'escalier dans l'autre sens. Nickel, nickel. C'est très exactement ce que je voulais. Ça tombe à merveille. Alors ça, c'est... Ah, c'est temporaire, ok. Est-ce qu'il m'attaque quelqu'un? J'espère juste que j'ai peur pour l'araignée. J'espère juste que tu as peur pour l'araignée? Non, mais j'ai très peur. Enfin, tu sais ce qui se passe quand on est dans le passé. Je veux pas que ça se passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, faut que je sois sur le truc quand ça tourne. Bah, qu'à cela ne tienne. Pas de sur le truc quand ça tourne. Oui. Ah mais c'est pas ce truc là qui fait tourner, c'est celui-là. Va-tu, va-tu. Mais toi t'es déjà de l'autre côté. Ah le coquin. Fais passer Harry. Voilà, c'est nickel. Merci. C'était fait pour, d'accord, bah c'était bien fait. Et toi là, si je te monte sur la tête, j'ai ma pièce bleue. Parfait. Oh là là, pardon, je t'ai tellement fait mal. La pièce bleue. Je détruis tout. C'est qui la meilleure? C'est moi, je fais du mal à tous. C'est qui le patron? Ça va. C'est qui le patron? C'est moi le patron.
C'est qui le patron? C'est moi. Y'a un truc là-haut. Comment j'y monte? Ah d'accord, ça rebondit. Allez, tu peux faire rebondir plus haut. Allez, 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 allez. Allez, oui, nickel, bravo, Harry. Comme tu sautes haut. Prends ça. Allez. Ah là, je peux pas. Ah, je voudrais changer de potion, de sort. D'accord, tu te mets en moi, toi, ça ne va pas du tout. Tu dois bien t'accrocher là. Mais toi, tu dois bien t'accrocher là, non? Oui, c'est ça. Ah, mais c'est donc la suite. Alors, nous, on va aller voir ce qu'il y a par là. On va détruire la toile d'araignée. Allons voir par là. Alors, on va monter. Hop. Allez, nickel. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Lego, ma chérie. C'est génial, hein. C'est génial. Ce jeu est parfait. Ah bon? Ouais, il est trop bien. J'adore. Bon, prochaine étape, le donner les anneaux Lego. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on a trouvé Hagrid. Ouais, il me plaisait aussi, mais je préfère Harry Potter. Oh, une araignée! Hagrid lui dit de pas l'attaquer. L'araignée s'enfuit. Alors le méchant va le dire à Dumbledore. Qui va prendre la baguette de Harry, Hagrid. Ma chérie. Et Harry est renvoyé dans le présent. Oui. Chérie, on ne dit pas Dumbledore, on dit Dumbledore. Dumbledore. Voilà, c'est mieux. Tu luttes contre 10 ans de... Oh, plein d'araignées. Et Ginny qui est envoûtée dans les toilettes, qui est toute rouge et qui reprend le journal. Et attends, le bonhomme qu'on a vu dans le passé qui rigole dans le journal. Un fourche-langue qui parle à travers le mur. Niveau terminé. Parce que tu m'as dit, je suis en train de lutter contre 10 ans d'araignée. Non, tu es en train de lutter contre 10 ans de lecture. Comme je le voulais dans les bouquins du nom. Alors les noms ne sont pas forcément prononcés exactement comme il faudrait. Ma chérie. Oui. À la fin de cette vidéo, j'ai quelque chose pour toi. Non, non, c'est parce que l'araignée s'est enfuie du truc au moment où je parlais. Donc je vais continuer l'histoire, mais on s'arrêtera après. C'est juste pour être sûr que ça va bien sauvegarder. Continuer l'histoire. Donc je mets juste le début jusqu'à ce qu'on récupère les mains. Et nous avons récupéré les mains. Il y a des centaines d'araignées qui s'enfuient. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne journée. Portez-vous bien. À bientôt. Et faites attention aux araignées. Thank you.